Je m'appelle Julien Morissette, heureux de vous retrouver pour cette discussion sur les lieux géographiques comme impulsion créatrice de romans. Je salue Mélanie Rivet et Clara Lagacé du Salon du livre de l'Outaouais pour cette brillante idée de discussion. Je suis très excité d'être ici ce soir pour entendre les idées de trois écrivaines, écrivains québécois de grand talent à ce sujet-là, Marie-Hélène Poitras, Annie Perrault et Daniel Lessard. Avant de commencer, je m'adresse à vous, auditrices, auditeurs qui nous suivent sur différentes plateformes. Vous avez remarqué là, que ce 43e Salon du livre a une formule un peu particulière, mais on souhaite quand même que vous puissiez prendre part à la conversation, comme on le fait d'habitude en salle, en chair et en os. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le clavardage si vous nous écoutez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube. On va se garder quelques minutes pour répondre à vos questions à la fin de l'entretien. On a 45 minutes ensemble, donc on devrait avoir amplement le temps de pouvoir vous lire et vous répondre. J'accueille nos trois invités pour notre discussion. Marie-Hélène Poitras, qui a fait paraître La Desiderata en 2021, presque 10 ans après l'excellent Griffintown, à la même maison d'édition. C'est La Desiderata, un livre délicieusement étrange qui se passe dans le petit village fictif et la forêt de Noirax en France, dans une époque en suspens. On aura la chance d'en parler. Salut Marie-Hélène. Hey, bonjour Julien. Heureux d'être avec toi ce soir dans cette discussion. J'accueille également Annie Perrault qui a lancé Les Grands Espaces en novembre dernier, un roman polyphonique assez singulier qui nous fait voyager de la Russie glaciale jusqu'en Californie à travers les voix de personnages féminins forts et complexes. Une lecture que je vous recommande également, fort agréable. Les personnages qu'on y rencontre dans ce livre sont liés de près ou de loin à la Russie. Et là, je vous assure que mes questions n'auront pas un angle politique ce soir. On est ici pour parler d'évasion et de fiction à travers tout ce qui se passe de très triste. Chez Alto, Annie Perrault aussi fait paraître La femme de Valence, son premier roman en 2018, après avoir publié L'occupation des jours, un recueil chez Druide. Ça, c'était en 2015. Merci de te joindre à nous, Annie. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Et Daniel Lessard, invité d'honneur, très aimé de notre public en Outaouais, en Ontario français, qui a publié son 11e roman en carrière intitulé « Le petit docteur de Saint-François-de-Beauce » aux éditions Pierre Tisser, dans une approche historique qui mélange faits réels et histoires romancées, comme Daniel le fait souvent, ça, en plus des excellents romans policiers aussi. « Le petit docteur de Saint-François-de-Beauce », comme aussi beaucoup d'autres de ses parutions, dont la saga de Maggie, se déroule dans sa Beauce natale. Très heureux de te retrouver. Trouver Daniel ce soir. Bonsoir. Salut Julien, merci d'être là. Comme je vous disais, donc on a un peu plus d'une demi-heure, les quatre ensemble. Alors, je nous souhaite un échange vivant. N'hésitez pas à intervenir, à relancer vos collègues ou à renchérir avec toujours cet angle-là sur ces lieux géographiques. Et j'aimerais justement qu'on commence en faisant un petit tour de table pour bien camper les décors de vos romans respectifs. Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous parler de Noirax et de d'où se passe et se déroule l'action dans La Desiderata? Oui, c'est drôle parce que j'écoutais ta présentation, puis pour moi, Noirax, c'est comme l'endroit où j'allais beaucoup pendant la première année de la pandémie. On était tous confinés à la maison, mais moi, je m'évadais vraiment dans ce lieu-là très au quotidien. Et c'est un lieu fictif, inventé, qui n'existe pas vraiment. Mais en même temps, moi, c'est un endroit qui m'a été inspiré par... c'est vraiment très précis dans ma tête. C'est un endroit que j'ai visité, un petit village en France qui s'appelle Bourgnac, pas très loin de Bergerac pour situer un peu les gens. Et j'ai visité cet endroit-là quand j'ai fait la tournée du Prix France-Québec pour Griffintown. Et puis, quand on gagne ce prix-là, on passe un mois en France, puis on se promène dans plein d'associations France-Québec un petit peu partout à travers le pays. Et à chaque endroit où on arrive, les gens nous reçoivent comme des rois, avec les spécialités locales. On nous montre, c'est comme un petit voyage express de quelques jours dans certaines villes choisies. Et donc, on visite vraiment, on a vraiment l'essence de l'endroit. Et puis, à Bourgnac, je suis allée dans une petite forêt française. Je savais même pas à quoi ressemblait les forêts en France. J'allais tout le temps, moi, à Paris. Et puis là, j'ai découvert que dans les petites forêts très charmantes, il y a des petites auberges de pierre. Et donc, j'étais logée dans un endroit comme ça où il y avait
une armoire avec plein de vieux parfums, puis des esquisses, des croquis vraiment étranges sur les murs. Je voulais presque les mettre dans ma valise, mais j'ai quand même respecté les lieux. Et bref, j'ai été très, très, très inspirée par cet endroit-là. Puis l'auberge était tenue par un homme qui avait des yeux bleus pétants. Et peu après, j'ai rencontré son fils qui m'a été présenté comme un jeune homme en peine d'amour avec les mêmes yeux pétants. Et puis, quand je suis revenue quelques semaines après, j'ai fait « OK, ça, c'est des personnages. Je connais pas leur histoire réelle, mais pour moi, il y avait déjà quelque chose qui se déployait à travers juste un souvenir physique, à travers le souvenir aussi de cet endroit-là où j'étais allée, les goûts qui m'étaient restés en bouche, des actes qui m'était passé dans les oreilles. Donc, c'est un endroit qui a fortement imprimé l'esprit du roman, même si moi, je garde un flou, puis je dis pas nécessairement qu'on est en France dans la Desiderata. On est dans une espèce d'endroit inventé, mais j'avais quand même quelques photos, moi, pour me situer pendant l'écriture. C'est drôle, on sent la France, mais c'est vrai que tu nommes jamais le lieu exactement. Et je pense que il y a quelque chose de magique là-dedans. Je ne veux pas utiliser le terme à tort et à travers, mais parce qu'il y a comme une forme de magie quand même dans la Desiderata. Mais je te relance sur un aspect que je trouve intriguant. Tu dis que tu t'es réfugié dans ce lieu-là durant la première année de pandémie et j'ai l'impression que ça a été aussi... La pandémie a créé un espace et un temps pour que tu puisses faire avancer ce roman-là qui était en toi depuis un certain temps. Donc, il y a une part de réconfort dans ce lieu-là que tu nous présentes dans La Desiderata? Oui, complètement. Puis aussi, c'est comme si, tu sais, les cinq sens sont très présents dans le livre. Il y a quelque chose de presque rabelaisien, de très gourmand, de charnel aussi. Oui, puis je crois que c'était que ça a été amplifié ça à cause de toutes les privations qu'on vivait pendant cette année-là. C'était déjà présent. J'avais écrit peut-être un petit peu plus que la moitié du livre, mais vraiment il y a eu comme c'était vraiment complètement amplifié là avec cette situation-là d'écriture. Puis nous les écrivains, tu sais, souvent on est un peu mésadaptés dans la vie réelle, mais là pendant la pandémie on était comme bien plus adapté que les autres parce qu'on est habitué d'être dans un cocon seul, en train de s'évader dans notre tête avec nos mots qui sont comme des clés qui ouvrent la porte de mon imaginaire. Donc, on est peut-être plus capable de survivre à ça que d'autres personnes très, très, très sociables et extraverties. Pour une fois, la balle était dans notre camp. Puis comment le déclic s'est fait lors du voyage? Parce qu'on a évoqué Griffintown tout à l'heure, on est très loin quand même des rues du vieux Montréal dans ton roman précédent. Oui, mais c'est ça qui est la beauté des romans qu'on crée, c'est que on les voit pas toujours venir. Hein. Moi, quand je faisais cette tournée-là, je pensais pas que j'allais avoir un flash pour un nouveau livre. Je faisais juste, tu sais, suivre le cours, visiter, nouer des liens avec les gens. Mais j'ai toujours remarqué, moi, que l'état du voyageur est très, très compatible avec l'état d'esprit de l'écrivain. Dans une sorte d'ouverture, de très grande ouverture candide à l'autre, à des choses qu'on connaît pas, avec une absence de jugement, une posture pas du tout morale, plus de découverte, de curiosité. Donc, c'est peut-être propice à recevoir des petits coups d'inspiration. Et puis c'est ça, quand je suis arrivée chez moi, tu sais, moi j'ai un journal intime depuis toujours, puis ça devient des journaux de voyage quand je voyage, mais j'ai vu que, oh my God, je tiens vraiment quelque chose. Puis quand j'ai quitté ce petit village-là, je suis entrée dans la voiture avec les gens avec qui j'étais, on se déplaçait ensemble, et puis j'ai pris mon cahier, puis j'ai fait comme, OK, j'ai tout de suite écrit comme l'espèce de plan. Puis pour moi, les plans, c'est des plans mous, là, parce que dès que j'ai un plan, je veux juste y échapper puis pas faire ce que j'ai écrit, mais ça prend quand même un plan au départ. Puis là, j'ai vraiment eu des flashs forts de certains éléments qui allaient être très présents dans l'histoire puis qui ont été là du début à la fin. On aura l'occasion d'en reparler. Je vais céder la parole à Annie Perrault. Est-ce que tu peux nous présenter le décor et où se déroule l'action de ton livre « Les grands espaces », Annie? Bien, au départ, Les grands espaces, je voulais que ce soit le roman d'une traversée. Puis c'était, je te dirais que c'est le lieu qui a comme appelé
l'écriture ensuite. Donc, j'imaginais le lac Baïkal en Sibérie avec le transsibérien qui allait précéder, en fait, dans le même mouvement. Donc, on allait passer du train à une avancée à pied. Donc, j'avais cette idée d'une femme qui traverse un lac en marchant de façon obsessive, désorientée. Moi, j'ai étudié en études russes dans le début de ma vingtaine. J'ai eu la chance d'aller faire un séjour en Russie en 96, qui m'a beaucoup marquée. Et donc, j'avais comme pas revisité la Russie tant que ça. Les années ont passé, c'est comme sorti de ma vie et j'ai eu envie de revisiter la Russie de ma jeunesse. Je voulais que ce soit un roman qui se passe dans les années 90 en grande partie, avant les cellulaires, avant dans cette espèce d'énergie du voyage que moi j'avais connue et aimée dans ma jeunesse. Donc ça, c'était le roman que je voulais écrire. Comme Marie-Hélène disait, il y a l'œuvre qu'on a en tête puis l'œuvre qui prend le dessus. Donc, puis c'était aussi une façon de me déjouer parce que j'aime les romans où on se déplace beaucoup, où les gens sont en mouvement. Là, je me dis, tu vas te restreindre. Ça va être une femme qui part d'une rive du lac Baïkal et qui traverse. Ça va durer quelques heures. Tout est beau. Mais finalement, c'est pas ça du tout. Ça l'a appelé. C'est parti dans plein de directions. Donc, je voulais un roman qui soit divisé en points cardinaux, sud, nord, est, ouest. Et comme je voulais parler du froid, de la froideur dans les relations dans ce roman-là, rapidement, le contraste avec la chaleur s'est imposé, à ma grande surprise. Donc, tout ce qui est chaud, l'intimité, les rapprochements, c'est venu prendre beaucoup de place. Puis je trouve qu'au Québec, on a beaucoup des romans du froid où on est, ou de l'hiver, où on est encabané, où les gens se réfugient, donc il y a comme l'ambiance psychologique de la cabane ou et moi ce que je voulais, c'était vraiment un roman où on s'expose, où on est dans les éléments, où on est dehors, confronté. Et peut-être aussi parce que je suis une coureuse, donc je passe beaucoup de temps, j'ai réapprivoisé l'hiver depuis que je cours l'hiver, j'aime beaucoup. Et donc avec cette idée de roman, je suis tombée sur le marathon du lac Baïkal qui a lieu en Sibérie à ce temps-ci de l'année. Là, j'étais là il y a 2 ans exactement, le 1er mars 2020, pour courir le marathon. Donc, j'ai fait cette folie-là de me dire, tu vas aller faire l'expérience toi-même de la traversée. Que je pensais pas le mettre dans le roman. Là. C'était vraiment juste pour aller sur place. J'avais pas visité la Sibérie, cette partie-là de la Sibérie quand j'étais allée en Russie précédemment. Et ça a fait bifurquer un peu le roman. Donc, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ramené de ce voyage-là, il y a comme un personnage qui s'est imposé dans le roman à la suite de ça. Donc, c'est vraiment, pour moi aussi, le lac Baïkal, c'est un lieu de démesure. Donc, c'est pour les gens qui connaissent un peu moins le plus vieux lac sur la planète, le plus profond. Les vents, ça vient de très loin, donc c'est vraiment un endroit, un paysage particulier, avec une eau très claire, très pure. Donc, quand c'est gelé, on voit à travers la glace, les bulles et tout ça. Et c'est aussi, quand on parle d'une idée de lieu, comme par exemple le lac Baïkal, ça vient avec tout un lot de clichés. Tu sais, on dit Sibérie, puis tout de suite, on imagine quelque chose, donc un grand silence, le grand blanc. Alors que sur place, c'était pas nécessairement ce qui m'attendait, tu sais. Donc, j'ai travaillé à partir de cette... Il y a une partie du roman qui s'est écrit à partir du lieu imaginé, fantasmé, en quelque sorte, puis une autre partie peut-être plus nourrie par l'expérience de ce grand blanc où on peut disparaître pendant une tempête en hiver. La Russie t'a quand même beaucoup marqué et continue visiblement de le faire. Et tu parlais des années 90 et il y a évidemment cette espèce de flashback dans le livre, dans différentes temporalités, dans le train, entre autres dans cette rencontre de la photographe. Est-ce que ton souvenir des lieux a changé beaucoup? Est-ce qu'il y a un rapport à faire entre la temporalité et les espaces, d'y retourner et là pour faire ce marathon hivernal? Je sens que c'était pas tellement du repérage, mais qu'il y en a eu un peu par la force des choses. Est-ce que ton rapport aux lieux a changé avec le temps, disons avec la Russie?
Ben, tu sais, la Russie, c'est tellement un pays de contraste, là, donc ça dépend où est-ce qu'on se situe en Russie, à quel moment. La Russie que j'ai connue dans ma vingtaine, dans les années 90, c'est tellement plus ça. Tu sais, c'était dans une période de tourmente où, après l'effondrement du régime, les gens étaient déboussolés. En même temps, le contact, c'est plus un contact humain, en fait. Je pense que c'était ça partait de cette idée-là de comment ça se fait que moi, qui ai grandi de l'autre côté, dans un autre régime à l'époque, dans un autre univers, j'ai eu cette connexion avec des familles russes parce que j'étais hébergée dans des familles russes, donc les liens. C'était un peu de faire un parallèle, tu sais, de me dire, ben, on vit, on a des paysages qui sont similaires. Donc, je partais de cette idée de paysage qui nous relie, de mélancolie, de froid, de saison, tout ça. Je voulais aussi exploiter, là, ou explorer le paysage qui défile. Donc, comment on perçoit un lieu en mouvement, que ce soit par la fenêtre d'un train ou dans l'avancée d'un lac. Donc, je voulais pas que les choses soient statiques. Je voulais que le paysage prenne de l'ampleur. Au point où, quand je suis revenue, j'ai pris la décision que le lac allait parler, il allait avoir une voix un peu mystérieuse, et c'est celle qui ouvre assez rapidement le roman. Donc, le lac Baïkal, ça m'a permis d'explorer une espèce de langue ou de poésie de lac dont l'eau se renouvelle, qui a vu depuis tellement d'années, voire passé toutes sortes de cycles de la vie. Donc, c'est devenu un personnage, c'était pas prévu. Oui, qui prend beaucoup d'importance, en effet, tout au long du récit. Daniel, dans Le Petit Docteur de Saint-François de Beauce, on est non seulement en Beauce, mais aussi on voyage dans le temps. Est-ce que tu peux nous présenter le décor de 1918 de Saint-François de Beauce dans ce 11e livre? Quand j'ai pensé à écrire un roman avec la grippe espagnole comme trame de fond, en m'inspirant bien sûr de la maudite COVID de merde qui va finir par finir, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui a déjà été fait là-dessus. Et j'ai trouvé plusieurs romans qui ont la grippe espagnole comme trame de fond, mais qui se passent tous dans les grandes villes. Québec, il y en a deux ou trois. Montréal, il y en a un très bon où l'action se situe à Winnipeg, il y en a un à Toronto aussi. Et je me suis dit, bon, ça c'est bien beau, tout a été raconté, comment ça se passait dans les grandes villes, à Québec en particulier, il y a des histoires extraordinaires. Mais je me suis demandé, dans un petit village du Québec, ça se passait comment la grippe espagnole, comment on se tirait d'affaire avec la grippe espagnole. Évidemment, j'ai choisi un village de la Beauce, la plus belle région du Québec, quoi qu'on en dise. Et j'ai choisi un village que je connaissais très bien, qui est Saint-François-de-Beauce. Saint-François-de-Beauce, aujourd'hui, c'est Beauceville. Saint-François-de-Beauce, c'est l'endroit où sont nés mes grands-parents Lessard et mon grand-père Rodrigue. C'est à peu près à 10 km de Saint-Benjamin, d'où je viens. Je suis sûr que vous êtes perdu dans la nomenclature de ces grandes villes. Mais ça Donc, donne le goût d'y aller pardon. quand même. Ouais, j'ai décidé de camper le décor dans une petite ville. Saint-François-de-Beauce en 1918, c'était à peu près 2000 habitants. Sur les 2000 habitants, dans la première vague de grippe espagnole, il y a 37 personnes qui sont mortes. C'est énorme. En moyenne, dans ces années-là, il y a une quinzaine de personnes qui mouraient dans le village de maladies, de vieillesse, etc. Mais 37 qui, tout d'un coup, en l'espace de 2 mois et demi, disparaissent à cause de la grippe espagnole, dont des familles complètes. Je me suis dit, bon, mais comment ça se passe? Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'on faisait pour les aider? Est-ce qu'il y avait des remèdes? Il y avait quoi que ce soit? Il n'y avait rien. Il y avait de l'aspirine, du camphre et des remèdes de charlatan qui ne valaient rien. Le seul remède qui faisait l'unanimité, mais qui était absolument inefficace, c'était la prière que recommandaient les prêtres parce qu'ils contrôlaient tout. Mais à un moment donné, l'archevêque de Québec a dit, c'est bien beau la prière et la messe, mais il faut fermer les lieux publics, etc. Donc, je l'ai campé à Saint-François-de-Beauce, Beauceville. C'est un village que je connais sur le bout de mes doigts. Je connais tous les raccoins. Il est traversé par la rivière Chaudière, la majestueuse rivière Chaudière, qui, bon, s'énerve un peu trop souvent. Et avec les rangs, les endroits que je connais, le bois des amoureux, tout ça. Et le décor, pour moi, c'est important parce que j'ai besoin que mes personnages évoluent dans des endroits que je peux bien décrire. Je ne veux pas être obligé d'inventer un chemin, à savoir est-ce qu'il y a des érables qui sont plantés autour, ou des ormes, ou des cèdres. J'aime avoir le décor, à le voir, et ça me permet de bien décrire, et ça me permet de bien situer mes personnages dans ce milieu-là. Saint-François-de-Beauce, c'est magnifique, sur le bord de la rivière. À l'époque, en 1918,
ça a commencé tranquillement à se développer. Beauceville est à côté. Il y a eu la fusion des deux, etc. Mais c'est un village, écoutez, habité par des gens tout à fait spéciaux, comme le sont les Beaucerons. En règle générale, encore une fois, je suis un peu vantard, mais c'est ma région. Et c'est important pour moi de savoir exactement où il évoluait et savoir que le médecin de campagne qui arrive dans le village et qui est très dépourvu, pris au dépourvu quand la grippe espagnole éclate, qu'est-ce qu'il fait, où il va, on lui dit « va dans tel rang, il y a une famille qui est en mauvais état à un autre endroit, etc. etc. » Donc, c'est important de bien connaître les rangs, les situer, essayer de les rendre ça le plus clair possible pour que les gens sachent un peu de quoi je parle, où ça se passe et pourquoi ça se passe là. C'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a peu de livres ou d'œuvres qui abordent cette question-là d'un point de vue plus régional que métropolitain. Ça, par moments, je me sentais dans, je ne sais pas si dans tes recherches, Daniel, tu es tombé sur Le peintre des Madones de Michel-Marc Bouchard, mais ça se passait au Saguenay-Lac-Saint-Jean durant la grippe espagnole, mais dans une approche plus fantastique. Ouais. Mais en lisant le petit docteur, je me suis retrouvé dans du Michel-Marc Bouchard et je trouvais ça intéressant de justement d'aller chercher cette perspective-là et d'aller au cœur d'une Beauce qui est très bien documentée aussi. J'ai l'impression, Daniel, que tu le fais beaucoup de par ton passé de journaliste, mais j'ai l'impression que tu as fouillé des documents d'archives pour aller voir comment ça se passait et comment le paysage était construit. Il y a quand même une justesse, que ce soit dans le vocabulaire aussi. On a même un petit lexique au début du livre. Donc, j'ai l'impression que c'est très fouillé. Là, on est dans quelque chose de documenté, évidemment. Oui, il y avait de la documentation. La Société du patrimoine de Beauceville avait beaucoup d'informations, témoignages d'un médecin, entre autres, qui racontait comment c'était difficile de convaincre les gens de respecter les directives, de porter le masque. Les gens disaient « Jamais vous nous ferez porter une guenille dans la face. » Ils ne voulaient rien savoir de ça. Plus ça change, plus c'est pareil. Noël approche, il n'y a rien qui va nous empêcher de faire nos parties de Noël. On va se réunir en famille, que ça vous plaise ou pas. Les Beaucerons sont des têtes de cochon, sont têtus, sont indépendants, n'écoutent personne. C'est vrai aussi dans d'autres régions du Québec, peut-être plus en Beauce. Donc, tout ça, c'était exactement la même chose. Et il n'y avait pas les vaccins. Il n'y a pas eu de complotisme pour dire qu'il faut s'opposer aux vaccins. Ça s'est arrivé beaucoup plus tard. Le seul vaccin qui existait à l'époque, je pense que c'était celui contre la rage. Et donc, il n'y avait pas de remède. Et le médecin était laissé à lui-même. Et le mieux qu'il pouvait faire la plupart du temps, c'était de faire en sorte que les gens, la mort... la fin de vie soit la moins pénible possible. Mais ça se passait tellement vite. En l'espace de 3 jours, quelqu'un attrapait le virus et était mort, souffrait énormément la 2e journée, mourait la 3e. Ça allait très, très vite. Il n'y avait presque rien à faire. Et c'était désespérant pour un jeune médecin qui arrive tout ambitieux, qui veut changer le monde, qui veut sauver l'entièreté de la planète. Il se retrouve complètement démuni. L'hôpital le plus proche est à Saint-Georges, qui est quand même une 20aine de kilomètres. Mais pour des cas difficiles, on allait à Lévis. Dans ce temps-là, alors, il était complètement pris au dépourvu et tout le village aussi à ce moment-là. J'aimerais savoir, Marie-Hélène, Annie, Daniel, qu'est-ce qui fait qu'un lieu peut être un point de départ? Ça a été nommé notamment par Annie que le lieu peut servir d'inspiration. Tout simplement pour un livre. Qu'est-ce qui fait qu'un lieu peut avoir ce potentiel-là lorsque vous le visitez, lorsque vous l'imaginez, pour pouvoir servir de point de départ pour un roman, pour un récit, Marie-Hélène? Ben, moi, j'ai vraiment envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée grâce au Salon du livre de l'Outaouais, qui est tout à fait en réponse à la question qui vient d'être posée. Parce que moi, j'ai grandi dans l'Outaouais, hein, puis c'est sûr que dans l'imaginaire d'un écrivain, tu sais, l'enfance, c'est toujours présent, puis c'est vraiment fondateur et important. Mais jusqu'à tout récemment, j'avais pas revisité la région de l'Outaouais à travers ce que j'écris. Et moi, j'ai habité dans l'Outaouais jusqu'à 11 ans. Puis à 11 ans, on est déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon père, c'était un prof de français, langue seconde, dans les COFI. Donc, il enseignait la langue aux immigrants dans l'Outaouais. Puis après ça, on a déménagé parce que il y avait eu un travail à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on est allé, c'est quand même assez éloigné de l'Outaouais, là. C'est à peu près à 45 minutes de Montréal, pour ceux qui connaîtraient moins. Et là, j'habite à Montréal depuis, depuis presque 25 ans, 30 ans. Et donc, l'Outaouais, c'est
quand même associée à une période où j'étais petite. Et puis, quand je suis venue au Salon du livre de l'Outaouais il y a quelques années, il y a un monsieur qui travaillait dans l'organisation avec les bénévoles qui a dit « Marie-Hélène, nous, on a acheté, ma femme et moi, on a acheté votre maison quand vous étiez petite et que vous êtes déménagée. » Puis là, sa femme habitait encore dans la maison de mon enfance. Donc, puis là, je lui ai demandé « Est-ce que je pourrais entrer en contact avec elle? J'aimerais vraiment ça, revisiter cette maison-là. Ça serait vraiment particulier comme expérience. » Et puis, les gens ont été super fins et adorables. Ils m'ont ouvert les portes de ma propre maison. Et c'est une des expériences les plus étranges que j'ai fait parce que... est-ce que je suis toujours là? On est toujours là avec toi, Marie-Hélène. Donc, suspendu à tes lèvres. Suspendu à tes lèvres, oui. OK. Alors, je suis entrée dans la maison et okay, là, j'ai comme un gros délai. Est-ce que vous entendez? On est toujours là avec toi. Tu étais en train de dire que c'était une des expériences les plus étranges de ta vie. Si jamais il y a un petit délai, tu peux peut-être juste te déconnecter puis revenir à nous. On va poursuivre dans ton... Parfait. On va revenir à ton anecdote parce qu'on veut savoir la fin. On veut savoir de quelle couleur étaient les murs de ta maison d'enfance. Mais tout va bien de notre côté, d'un point de vue technique. Mais on va revenir à toi, Marie-Hélène, d'ici quelques instants. En attendant que tu reviennes, Marie-Hélène, je me tourne vers toi, Annie, à savoir comment tu construis dans un récit, dans un roman, comme je le demandais tout à l'heure, comment tu construis les décors dans lesquels l'action va avoir lieu. Est-ce que c'est comme un personnage? Est-ce qu'on en fait une bible ou est-ce qu'on trace les grands traits d'où ça a lieu ou ça vient au fil de l'écriture? Appelle une histoire où je vois que Marie-Hélène est revenue. Est-ce que tu veux qu'elle finisse son anecdote avant? Pense à ta réponse. Ah non, ben je pense que Marie-Hélène. Ah. Donc, je disais. Non, continue, je t'écoute, Annie, on t'écoute. La situation des jours, c'était un terrain vague. Tu sais, je voulais explorer l'idée du terrain vague pour la femme de Valence. C'était le toit terrasse d'un hôtel en Espagne, la froideur d'un endroit comme ça. Et là, c'était le lac Baïkal. Donc, et je pense qu'il y a tout un réseau de perceptions. Donc, pour moi, écrire sur les lieux, c'est aussi aller visiter ce qui s'est inscrit dans la mémoire, dans le corps de perçu, dans toute une trame, et qui va ressurgir au moment de l'écriture. Donc, tu sais, même si je voulais parler de froideur, de blanc, de silence, que ça a mis en place un lieu comme ça, c'est autre chose ou c'est aller ailleurs. Donc oui, moi j'accorde beaucoup, comme Daniel disait, ça m'importe de. J'aime les belles descriptions de lieux. Comme lectrice, j'aime ça. Tu sais, j'aime ce souci-là du détail. J'aime quand l'ambiance est là. J'aime quand il y a quelque chose de cinématographique qu'on puisse représenter. Puis après ça, le lecteur prend sa liberté là de refaire le paysage ou l'ambiance. Mais c'est des moments que j'aime. Mettre en place, c'est quelque chose qui me plaît dans l'écriture, en fait, de décrire des lieux puis d'instaurer une ambiance. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de fuite et de dépaysement dans ta pratique d'écriture. Si je pense à une scène aussi où tu parles de lors d'une date avec cet homme russe où vous vous retrouvez sur le boulevard Taschereau, qui est un lieu de ton enfance, et ça va me permettre de revenir éventuellement, Marie-Hélène, sur les lieux de notre enfance. Mais est-ce que ça fait partie de cette fascination-là dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, cette fascination pour le voyage, pour la Russie? Est-ce que ces lieux-là de ton enfance, tu as cherché à trouver? Mais j'ai déjà dit en blague, tu sais, que quand tu nais à l'ombre du boulevard Taschereau, tu n'as comme pas tellement le choix d'avoir un imaginaire des lieux puis de rêver d'aller ailleurs. Mais dans le prochain, je vais visiter le quartier ouvrier de mon enfance. Donc, j'ai fait la réflexion de me dire, mon Dieu, j'ai quand même pas beaucoup écrit sur le Québec, tu sais, soit que c'était jamais nommé, soit que c'était en Espagne ou en Russie, et je pense que c'était une façon d'éviter quelque chose qui m'importe, quelque chose qui est riche et qui demandait un cheminement dans l'écriture. Donc, j'allais pas aborder ça dans le premier livre nécessairement, ni dans le deuxième. Là, j'ai envie que ça se passe
au Québec. Donc, le prochain base aussi sur un lieu qui est le quartier La Flèche, puis l'endroit où mon père a grandi dans les Bois-Francs. Je m'éloigne un peu, mais... Ce que je remarque, et j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que de plus en plus de toi, du Annie dans tes livres, on sent ça s'infiltrer de plus en plus au fil de ton œuvre. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu ça? Oui, mais en même temps, tu sais, il y a comme un jeu dans le sens, un petit jeu là, comme un jour, ou un petit lousse, puis un jeu d'écriture à se dire, est-ce que je me révèle davantage quand j'ai l'air de parler de moi ou quand je passe par des univers très fictifs, très inventés pour parler de choses qui m'habitent? J'ai pas la réponse. Je pense que ça joue des deux côtés, puis c'est ce qui est intéressant peut-être dans l'écriture là. On va retrouver sans doute une clé de réponse dans ta prochaine parution qui va se rapprocher peut-être de ces lieux-là de ton enfance. Et ça me permet de revenir à toi, Marie-Hélène, qui est parmi nous et bien connectée, où on parlait de cette maison de ton enfance. Tu habitais en Outaouais jusqu'à 11 ans, tu le disais, donc on était avec toi dans cette maison-là. Là, je me ferme les yeux et on est en Outaouais. Est-ce que tu es à Elmer en plus? Ben, je te parle du secteur d'Elmer en ce moment, donc tout est dans tout. On est là avec toi, ben oui. près de ma petite école du Vieux-Verger sur la rue John Egan, et là, j'entre dans la maison de mon enfance que j'ai pas revisitée jamais depuis tout ce temps-là. Et là, c'était vraiment étrange, puis c'était tellement sympathique. Les gens m'avaient préparé des petits hors-d'œuvre, puis moi, tu sais, je suis quelqu'un de très délicat et poli dans la vie, mais dès que j'ai mis le pied dans la maison, je me sentais chez moi. Puis, j'avais l'impression que ces gens-là, ils étaient chez moi. Puis aussi, je me sentais comme une géante parce que, tu sais, à 11 ans, évidemment, j'étais plus petite. Fait que je me sentais comme une géante qui était chez elle avec des étrangers. Puis là, assez vite, je leur ai dit, je vais aller dans ma chambre. Puis, je suis montée, là, j'ai pu voir, est-ce que les arbres que je connaissais, est-ce qu'ils étaient encore là, que je voyais par ma fenêtre de chambre, dans la cour, qu'est-ce qui s'était transformé? Il y a des arbres qui étaient plus là, il y en a qui étaient rendus beaucoup plus grands. C'était comme une espèce de choc de se rendre compte de tout le temps qui a passé à travers les éléments. Fait vraiment super cute. Les tablettes que ma mère avait installées dans mon garde-robe étaient encore là. Les gens les avaient conservées. Et puis, je me promenais dans la maison comme ça, puis j'étais vraiment chez nous, j'étais pas gênée. Et puis ça a réveillé plein de petites ondes dans la tête, tu sais, qui sont vraiment propices à l'écriture. Puis je savais que j'allais faire quelque chose avec ça et j'ai... Là, je travaille sur un recueil de nouvelles qui va sortir éventuellement dans un an ou deux. Et j'ai une nouvelle qui est vraiment inspirée de cet épisode-là où je parle beaucoup plus que jamais de ma mère, de ma sœur, que j'ai jamais vraiment mis en scène dans mes livres. Aussi de ma découverte de la langue anglaise, tu sais, c'était vraiment un quartier où c'était très bilingue, puis c'était vraiment comme un enrichissement réel. Je me souviens d'un petit voisin qui me montre un verre de terre et qui me dit ça, it's a worm. Puis je trouvais tellement que le mot était parfait pour la chose. Puis tu sais, c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue. C'est là que j'ai appris à lire aussi, que j'ai commencé à aimer lire, commencé à faire de l'insomnie puis à lire pendant la nuit. Donc, tu sais, il y a quelque chose de mon lien à l'écriture et à la littérature qui naît de cette petite chambre-là avec les murs bleus que j'ai eu l'occasion de revisiter. Ça va être un lieu très important aussi dans mes livres, je pense. Je trouve ça intéressant qu'on parle des lieux de l'enfance parce que, ben, Daniel, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la Beauce, c'est ta terre natale. Qu'est-ce que tu retrouves dans cette idée-là de faire évoluer les personnages? Tu sais, je le disais tout à l'heure, Maggie, ça se passe en Beauce. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux les camper dans ces décors-là, ces récits-là? Parce que c'est là que j'ai aimé grandir et c'est là que j'aime me retrouver dans l'imaginaire, dans la pensée. Pour moi, Saint-Benjamin, c'est un tout petit village, mais c'est un symbole de paix, de calme, de gens heureux. Et c'est amusant parce que deux choses au sujet de la série Maggie, c'est la relation entre les protestants et les catholiques. Et quand j'ai commencé à l'écrire, ça allait très bien. Je pouvais parler d'église catholique, du cimetière catholique, de tout ce que les catholiques faisaient, mais les
les protestants, eux, ils vivaient comment? Il y avait une petite enclave au bout du village, à peu près une vingtaine de familles, un ou deux parlaient un peu français, mais ne s'intégraient pas. Les relations étaient harmonieuses, mais on ne se parlait pas. Et quand j'ai commencé à écrire le roman, j'ai dit, faudrait que j'aille faire un tour à Camberley Mills, voir un peu ce qui en reste, puis commencer. Et c'est là que j'ai découvert plein de trucs que j'ignorais complètement. Pour une raison bien simple, c'est que quand j'ai grandi, le danger que représentaient ces gens-là, c'est pas qu'ils parlaient anglais, ils auraient pu parler chinois, russe, allemand. On s'en foutait comme dans l'an 60. Ce qui les rendait dangereux, c'est qu'ils étaient protestants. Et ça, ma mère nous mettait en garde sans arrêt contre les protestants. Le curé nous menaçait d'excommunication. Mon grand-père, qui est maire, a souvent été menacé d'excommunication par le curé parce qu'il devait faire la place aux protestants au conseil municipal, etc. Donc, pour moi, c'était un univers inconnu dans l'univers où j'avais vécu. Ils vivaient, ces gens-là, à 2 kilomètres de chez nous. De temps en temps, on en voyait passer un. On changeait de trottoir immédiatement pour ne pas le croiser. Et c'était de même, et je fais des recherches, et c'était de même dans plusieurs petits villages, dans les cantons de l'Est en particulier. Il y a un endroit, je pense que c'est Bolton ou Austin. D'un côté de la rue, il y a le principal, il y avait les catholiques. De l'autre côté, c'était les protestants. Et quand le soir tombait, quand la noirceur tombait, les deux groupes sortaient de la maison. Et là, c'était des bagarres à n'en plus finir. Et moi, ça m'a permis de découvrir ma première histoire, cette catholique qui tombe en amour avec un protestant, et qui, la catholique qui était institutrice, maîtresse d'école de rang, et là, tout de suite, il m'est venu à la tête une école de rang où ma mère a enseigné. Alors, je suis retourné voir, c'est un peu comme dans le cas de Marie-Hélène, les gens avaient réarrangé la maison, l'avaient modernisé, etc., mais l'essentiel était encore là. Alors, je suis allé cogner à la porte des gens, qui me connaissaient, que je connaissais, que mes parents connaissaient, puis bon, j'ai passé l'après-midi à placoter avec eux pour être dans cette maison où ma mère enseignait, pour être capable, dans le roman, où l'école prend beaucoup de place, d'être capable de bien situer l'école, de voir comment ça se passait, par où le curé arrivait, quand il arrivait, pour écœurer tout le monde, etc. Et c'est la même chose pour les catholiques. L'école que j'ai fréquentée, le couvent est encore là, était là depuis longtemps. Je le connais par cœur, je connais l'église par cœur, je connais tous ces lieux-là par cœur. Et ce que j'aime le plus, c'est d'imaginer mes personnages dans ce milieu-là. C'est beaucoup plus facile de les créer parce que quand je pense à, je sais pas moi, Aldina, la maîtresse d'école, tout de suite, j'ai une image d'une maîtresse que j'ai eue en troisième ou quatrième année. Quand je pense à son chum irlandais, protestant, je pense à M. Taylor qui venait de temps en temps au village, qui avait l'air très sympathique, mais c'est un protestant, on en avait peur, on n'y parlait pas. Donc, ça permet de planter. Le décor me permet de bien planter les personnages, de les faire vivre dans un décor que je connais, comme s'ils étaient, ils avaient toujours été là. Et c'est amusant parce que quand Maggie est sortie la première fois, beaucoup de gens m'ont dit, on a reconnu tous les personnages, on peut tous les nommer. Là, je me suis dit, eh merde, j'aurais peut-être dû changer les noms davantage ou être plus clair, mais bon, ça n'a pas posé de problème. Ben, tu parles de planter le décor et de pouvoir planter les personnages. Je serais curieux de savoir si vous utilisez dans vos œuvres des lieux comme métaphore ou comme façon de véhiculer des idées ou des émotions. Tu sais, des fois, il y a une formule cliché qu'on entend dire que, je ne sais pas, les lieux peuvent parfois devenir des personnages. Dans ton cas, Annie, je pense que tu as bien contourné ce cliché-là dans ton plus récent livre, mais est-ce que ces lieux-là peuvent avoir une certaine charge dans les idées, dans les émotions, je ne sais pas, dans le développement d'une histoire? Annie? Dans les grands espaces, il y a quand même deux personnages qui s'opposent un peu, qui sont la femme qui avance sur le lac Anna dans sa jeunesse et Gabi. Donc, il y en a une qui vient du nord, du froid, du non-dit, et il y a Gabi qui est bouillonnante, qui vient de la Californie, qui a une histoire de qui raconte l'histoire de son ancêtre qui a été lobotomisé, donc l'espèce de fougue qui était considérée comme une folie à une époque, donc on essayait de contenir une espèce de bouillonnement qui était celui de sa grand-mère qui était parmi sur le cosmonaute Yuri Gagarin qu'elle n'avait jamais rencontré. Donc cette espèce d'exubérance de la chaleur de la Californie, de l'Ouest, du bord de l'océan, donc je pense que par un peu comme par capillarité, c'est-à-dire que les lieux vont nous façonner et vont façonner aussi les personnages. C'est ce que les filles se disent dans un échange, là où on vient,
les lieux qui nous ont vus grandir ont certainement une influence sur qui on est, sur ce qui on devient, sur ce qui va nous préoccuper. Donc, si Daniel a grandi dans la Beauce, Marie-Hélène qui parle de son enfance, il y a certainement, c'est ça, je me dis, si tu grandis avec le fleuve pour horizon dans un beau village du Québec, c'est peut-être pas la même chose que dans un 4,5 de fond de ruelle dans la ville. C'est clair qu'il y a toute une part de la géographie qui nous influence aussi, ou des conditions. Un bon exemple, Le vieil homme et la mer, qui est un de mes romans favoris de tous les temps, d'Hemingway, ne serait pas un bon roman s'il ne se passait pas sur la mer, s'il n'était pas à la pêche pendant tout le roman. Il revient à la fin sur terre ferme, mais tout le temps ça se passe sur la mer, avec les oiseaux aquatiques, avec le poisson qui l'attrape, avec les réflexions qui se font, comment ça se passe sur la terre, comme s'il était dans un monde complètement séparé. C'est ce qui fait la beauté de ce roman-là. Moi, j'aime beaucoup quand le lieu est au centre du roman, et c'est vraiment important parce que ça conditionne la vie de tous les personnages. Moi, mon rapport au lieu est très différent d'un livre à l'autre parce que La Desiderata, c'est complètement inventé, mais Griffintown, le titre du livre, c'est le nom d'un quartier de Montréal. Et moi, c'est un livre que j'aurais pas pu écrire si j'avais pas côtoyé les cochers, parce que Griffintown, c'est le quartier où il y avait les écuries de calèches. Puis là, je dois parler au passé parce que c'est terminé depuis 2 ans, les calèches ici à Montréal. C'est en côtoyant les cochers que j'ai pu les mettre en scène. Et puis, c'est super précis, les lieux, comment je les décris, là. Je nomme les rues, tout ça, puis c'est vraiment là que ça se passe. J'ai changé les noms des cochers, par exemple, mais le lieu lui-même, puis tu sais, je pense à la question que tu posais, si ça devenait la métaphore de quelque chose. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment ça, parce que le quartier s'est complètement transformé. Il a été vraiment revampé complètement. Là, il y a des condos partout, mais moi, je travaillais là en 2003-2004, puis c'était un quartier assez glauque, un peu épeurant. Personne n'aurait voulu s'installer là. Et le quartier des Irlandais, c'est là que les Irlandais, quand Montréal a été fondé, c'est leur spot. Donc, il y a quelque chose dans l'architecture aussi de vraiment intéressant à raconter. Mais en parlant des transformations de ce quartier-là, moi, j'ai pu parler aussi de la disparition d'un monde, qui est le monde des cochers, des calèches, des chevaux de calèches. Donc, ça m'a permis vraiment, à travers la description des lieux, de les mettre en scène. Il nous reste quelques minutes seulement, malheureusement. Là, j'aurais 1000 questions à vous poser. Mais en guise de conclusion, on va faire un dernier tour de table. En parlant beaucoup d'autrices, auteurs dans les dernières semaines, les derniers mois, aussi à beaucoup d'artistes des arts vivants et de la littérature tout particulièrement, on m'a beaucoup parler de ce potentiel-là de pouvoir voyager dans une période où on n'a jamais été autant, disons dans l'histoire récente, aussi limité de pouvoir voyager physiquement et réellement. Et visiblement, vous êtes 3 personnes qui avaient voyagé, qui veulent voyager dans leur vie. Est-ce que la littérature, pour vous, est un véhicule, une façon de voyager ces temps-ci? Je sais pas, est-ce que c'est à travers ça qu'on peut s'évader un tout petit peu? On peut commencer avec toi, Daniel. Oui. Moi, j'aime beaucoup les romans policiers, les romans policiers scandinaves en particulier. Je suis allé 2 fois en Scandinavie, mais de très courts voyages. J'aime beaucoup l'ambiance. Et je trouve que dans ces romans-là, la plupart du temps, en Islande en particulier, en hiver, c'est absolument fascinant. La neige jusqu'à mi-fenêtre. Ça ressemble tellement à chez nous. Tu te sens vraiment là. Pas que j'ai envie d'y aller, je déteste l'hiver maintenant, mais ça se situe très bien. Et un auteur aussi que j'aime beaucoup, un autre policier, un Irlandais, je pense, Sam Miller, dont les histoires se passent à Belfast la plupart du temps. Et j'ai vu là, il y a quelques semaines, un film qui vient d'être tourné, qui s'appelle Belfast, qui est absolument magnifique, qui remonte à la guerre entre les catholiques et les protestants. Donc, oui, j'ai beaucoup de romans québécois. Faire les sucres, et le dernier que j'ai lu, ça se passe en Montréal, puis c'est correct. J'aime bien la banlieue de Montréal. Mais si tu peux sortir, si tu peux aller en Italie, si tu peux aller en Irlande, à Paris, n'importe quand, je suis preneur. Faites-moi signe.
Toi, Annie, est-ce que ça a permis de sortir un peu de l'immobilité imposée par la pandémie, d'écrire et de lire? Oui, ben en fait, ça me fait plaisir aussi quand les gens me disent « Ah, j'ai lu ton roman, ça m'a fait du bien d'être en Russie, d'être ailleurs, de voir d'autres paysages, d'autres choses. » Moi-même, tu sais, je pense que c'est pas que la littérature, j'étais allée voir le film d'Almodovar au cinéma il y a 2 semaines, puis je me suis dit « Ah, ça fait du bien de voir l'Espagne, du soleil. » Mais pour c'est aussi d'avoir accès à une attention, l'attention de quelqu'un d'autre qui est mis sur des détails ou une texture d'un lieu ou des perceptions et à travers donc la subjectivité de quelqu'un qui décrit ou qui va insister sur certains aspects d'un lieu, c'est comme partir à la découverte aussi là, plus que donc quand je parle peut-être plus comme lectrice là, mais je sais pas quel effet ça fait quand on lit le ce que moi j'ai écrit sur les lieux, mais moi j'ai ce souci, je pense, d'attention et de donner à voir, et, mais pas juste à voir, donc à sentir ce qui est chaleur, le bruit, etc., tout ça. Donc mais je te confirme en tant que lecteur là, si je peux des grands espaces, que c'est surprenamment, oui, les lieux, mais c'est aussi beaucoup à l'intérieur des personnages qu'on voyage, et dans ces contrastes là justement, donc c'est très particulier, mais c'est d'un point de vue très positif, là, la sensation qu'on ressent lorsqu'on entre chez ces personnages-là, vraiment chez eux, à l'intérieur d'eux. Donc, mission accomplie pour ça, en tout cas. Puis on parle des lieux, tu sais, des paysages de l'extérieur beaucoup, mais tu sais, les lieux, c'est aussi un appartement, une maison, un corridor. Fait que, moi, tous les lieux vont m'intéresser à l'écriture. Ouais. Marie-Hélène, je te laisse le mot de la fin par rapport à ça. Ben moi, comme Daniel, je suis vraiment une grande lectrice de polar, puis j'ai passé les 2 dernières années à lire presque tous les romans de Michael Connelly qui mettent en scène le personnage d'Harry Bush, qui vit à Los Angeles, une ville que j'ai visitée. C'est comme le dernier grand voyage que j'ai fait. C'était un road trip en Californie là, avant la pandémie. Et donc, chaque fois que je remets les pieds là-dedans, je vois des lieux, je respire des odeurs. Puis même quand je me prépare à voyager quelque part, j'aime bien lire les livres d'un écrivain pour me mettre un peu dans l'ambiance puis continuer à les lire pendant que je suis là. Donc, c'est un des romans que j'ai lus là où ça se passe. J'ai même fait l'expérience d'aller manger au restaurant où le personnage va s'acheter des pokéballs sur la plage de Santa Monica. Donc, tu sais, je suis ce genre de lectrice un peu maniaque, là. Et puis, je pense que pendant la pandémie, les gens qui lisaient se sont beaucoup moins ennuyés que les autres, puis se sont sentis moins immobiles aussi, j'ai l'impression. C'est vrai, je suis bien d'accord avec ça. Marie-Hélène Poitras, Annie Perrault, Daniel Lessard, merci à vous trois. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Et je rappelle que vos livres respectifs sont disponibles en librairie. La Desiderata, Le petit docteur de Saint-François-de-Beauce chez Pierre Tisserre, Les grands espaces chez Alto, tout comme La Desiderata. Et je dis au public, allez en librairie indépendante, librairie de quartier si vous avez la chance, sinon... tout bon lieu est un bon lieu pour acheter un livre. Vous pouvez bouquiner en ligne sur le site web du SLO dans la section Mon Carnet également, slo.qc.ca. Et je vous invite à rester branché sur notre Salon du livre à 19h45. Dans une dizaine de minutes, il y a Patrick Voyer qui va s'entretenir avec Michel Maltais au sujet du livre Cosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif. C'est paru chez Septentrion. Ça raconte la saga vécue par les membres de la maison de production qui a fait venir Pink Floyd et Genesis au Québec, un livre auquel Michel Maltais a consacré 6 ans de sa vie. C'est dans 11 minutes dès 19h45. Et Marie-Hélène, Annie, Daniel, merci infiniment encore une fois. Salut. Merci Julien. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.